Salut à tous, salut, je suis Chronique Hacker. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau tutoriel vidéo, comment configurer l'Internet gratuit avec divers opérateurs et ceci est valable pour n'importe quel pays. Dans quel que soit le pays, vous pouvez profiter de la connexion Internet gratuite. Généralement, je vais le tester avec l'opérateur MTN. On s'est aussi testé avec, je peux dire, avec Move et bien d'autres pays. Bien, ceci... Ce qui est très simple ici, c'est justement comment configurer le DNS. Bon, la configuration est valable avec le DNS. Tout de même, on va aller dans paramètres, plus. Et là, vous allez créer un profil. J'ai déjà créé assez de profils et vous activez le profil par défaut. Et vous, maintenant, cependant, vous activez la 3G. Bon, notez bien. Si vous êtes abonné à notre chaîne YouTube, j'ai fait un tutoriel vidéo sur comment activer la 3G pour les opérateurs téléphoniques qui refusent d'activer les données quand il n'y a pas de forfait Internet. Donc, je vous ai montré une méthode, comment faire un bypass, comment passer cela et activer. Voilà. On active nos données. On recherche Your Freedom et vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Voilà. Vous allez trouver le lien dans la description de la vidéo. Vous faites ouvrir Your Freedom. Voilà, on a dit optimise batterie, vous faites OK et vous optimisez la batterie. Ceux qui ont les Android 6.0. Ceci, c'est pour que le téléphone consomme assez, elle consomme peu la batterie. Sinon, votre téléphone va surchauffer. Donc déjà, pour éviter cela, il faudra activer la jauge de batterie. Ça prend longtemps que prévu, donc on va justement procéder à la configuration. Donc, on ouvre une autre Your Freedom. Bah merde. Mon téléphone, il dérange. Voilà. On ouvre Your Freedom. Voilà. On va ouvrir Your Freedom et essayer de configurer. J'ai vu dans la jauge de batterie. Voilà. On ouvre à présent Your Freedom. Et on essaye de procéder à la configuration. On annule. Voilà. On vient sur paramètres. Notez bien, Your Freedom est un VPN qui utilise aussi des comptes de connexion. Mais apparemment, bon, vous pouvez utiliser, vous avez un compte par défaut qui est déjà intégré dans votre téléphone. Vous venez sur connexion. Voilà. Vous venez sur assistant. Et vous notez, bon, vous pouvez faire la recherche de tous les serveurs en cochant HTTP, no proxy, HTTPS, FTP, UDP. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le DNS. Parce qu'il y a souvent très beaucoup de failles sur le DNS. Donc, testez avec n'importe quel opérateur téléphonique et faites un feedback justement en dessous de la vidéo. Vous faites suivant. Attendez, j'efface. Et qui est là, on va rechercher les serveurs. Deux moyens de se connecter déjà, donc on peut y avoir jusqu'à 6 mois pour se connecter à Internet et surfer gratuitement. 11 moyens, 14 moyens, 16, bien, 18 déjà, 20. Et soyez très attentif, il faut tapoter l'écran légèrement parce que lorsque l'écran se verrouille, ça recommence à zéro. Donc, il faudra tapoter légèrement le tactile pour éviter que le téléphone se verrouille. Nous sommes déjà à 34 moyens de se connecter.
Voilà. Non, merde. Putain. Voilà, ici on a beaucoup de serveurs, comme vous avez vu. Et voilà, on a un DNS, comme vous avez vu, parce qu'on n'a pas fait le scan. On va choisir un serveur au choix. Bon, je prends justement l'Amérique, US, et clique sur suivant, justement, voilà. Mot de passe, nom d'utilisateur, une registered. Mot de passe, une registered. Voilà. On clique, si vous avez créé un site, un compte sur le site officiel, yourfreedom.net, que vous voyez là-haut, cela serait très facile, mais un peu limité. Et justement, dans la prochaine vidéo, si vous êtes abonné à notre chaîne YouTube, je ferai comment avoir des comptes YourFreedom, des comptes premium ou des comptes en illimité sur YourFreedom. Parce que ces comptes s'arrêtent après 60 minutes. Merci. Donc, on va cliquer sur suivant et cliquer sur OK. Voilà. La configuration est là. On fait retourner. Retourner. Notre YourFreedom a été configuré. Justement, on doit tester cela. Cancel. Et là, en fait, on tire la ligne illimitée dans ligne et uplink. On clique sur démarrer, justement. On fait accepter. Et on patiente justement que YourFreedom se connecte à nos serveurs, à ces serveurs pour pouvoir nous donner une connexion internet gratuite. Donc, on patiente justement. On a mis Freedom Enregistrateur, pays, États-Unis, adresse IP externe et le serveur. La bande passante là et on voit à combien nous pourrions aller. Voilà, on va essayer d'écrire justement sur WhatsApp aux gens qui sont du côté du Mali, qui sont fait un feedback. Donc, on va répondre légèrement à un message WhatsApp et voir si c'est un peu rapide. Bon, notez bien, YourFreedom avait des comptes gratuits, c'est pas très rapide. Donc, avec des comptes premium, c'est très très rapide. Donc, déjà, on va écrire là. Eh bien. Voilà. Envoyer. Désolé, mon téléphone, il est un peu lent, donc on fera avec. Donc, justement, c'est un peu lent. Donc, voilà. Voilà. Déjà du côté de Mali, on me demande une vidéo spéciale. Donc, sachez que je vais faire la vidéo. C'est justement un peu temps parce que je ne parviens pas à voir ce qu'on appelle le host. Donc, j'ai à demander à mon contact du Mali de m'envoyer le host de Orange et aussi de Move pour voir. Et de Move pour les gens du Togo pour pouvoir faire la configuration Internet gratuite. Et déjà, pour les abonnés qui sont du côté de la Guinée. Soit ils ont su, une vidéo vient avec 0 VPN et aussi avec, je peux dire, Slow DNS. Donc, il y aura une vidéo pour vous sur Internet gratuit, donc vous allez surfer gratuitement. Vous avez vu, justement là, la connexion n'est pas très rapide avec YourFreedom parce qu'il faut des comptes en premium. Donc, justement, dans une autre vidéo, je vous montrerai comment avoir des comptes premium sur Android uniquement pour les téléphones routiers, je peux pas faire sur ce téléphone parce que ce téléphone n'est pas routé. Donc, parce que c'est vraiment impossible de router cette marque de téléphone que j'ai. Donc, je ferai une autre vidéo pour un autre tuto vidéo avec un autre téléphone que peut-être j'aurais dû. Bon, que je vais acheter, je ferai une vidéo comment router son téléphone Android et comment avoir des comptes premium avec YourFreedom. Donc, merci.
Merci à tous. Je dis, le VPN a bugué, donc ça s'est arrêté. Attendez, je remets mon username. Voilà, et j'allais oublier, je vous montrais justement quelque chose. Quand votre Your Freedom s'arrête brusquement et venez justement ici, sur message, ou bien que ça refuse de se connecter, vous venez ici, sur message, et vous lisez le message qu'on a écrit là, et vous me faites une capture d'écran par un commentaire, vous m'envoyez justement un commentaire, un message. Ce message, donc, vous avez vu, Android asked to stop VPN. This may interface by another app. Reason requested by Android stopping connection. Bon, bref, c'est mon téléphone Android qui a rejeté cette connexion passant par le VPN. Donc, soyez-en sûr, avec vos téléphones, vous pourrez profiter de la connexion Internet gratuite et surfer. Voilà, j'ai été assez clair. Si vous voulez profiter des prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et aussi de contacter nos partenaires HND Tuto. Et HND et aussi je peux dire Bips Technology et notre site web, le site web officiel des astuces freetutosurf.com et aussi mysostech.com de ce qui s'agit du route, la maintenance sur les téléphones portables. Là, c'est le magicien. Donc, merci et on se retrouvera prochainement pour une autre vidéo, pour un autre tutoriel vidéo. Et n'oubliez pas justement de vous abonner si vous avez aimé la vidéo.